Mickey, on se lance dans la mission numéro 11 de la bataille de Normandie. Hébé crevons, espérons que ce n'est pas un vieil accent patois et qu'il ne soit pas prémonitoire. La compagnie Hébé a l'ordre de pourchasser les derniers chars panthères de la division Panzerlehr et de les détruire. C'est vrai qu'à Saint-Lô, on avait fait fuir tout ce petit monde. Maintenant, on les traque. C'est parti. Plus tôt dans la matinée, l'Air Force a bombardé et quasiment anéanti la division Panzerlehr. Les chars panthères encore en état se replient. Hebel va les prendre en chasse avec l'appui de la 4e division de cavalerie. Pour contrer les blindés lourds panthères, nous avons reçu des chasseurs de chars M10. Ok, bon, moi je suis pas spécialiste des chars M10 parce que je les trouve très fragiles par rapport à leur capacité de tir. Néanmoins, comme ils le disent, ainsi contourné, ça peut blesser. D'ailleurs, quand ils étaient en position comme ça là, en guet-apens, et que tu devais passer à côté, et d'un coup, tu regardes à droite et tu fais oh my fucking god, je vais me prendre une pilule sur le flanc. Et ben à mon avis, tu devais pas faire le fier, tu devais plutôt crevez. Eh ben crevons tous ensemble. Allez les kikis. Les corbeaux, c'est ceux qui devaient, les seuls qui devaient être ravis de voir une nouvelle guerre mondiale débarquer. De quoi renflouer leur garde-manger. Très bien. La Panzerlehr s'est fait botter le cul ce matin, mais ses panthères sont toujours opérationnelles et restent une menace. Nos avions ont repéré les panthères dans cette zone, donc ils doivent sûrement nous y attendre. Les panthères ont une puissance de feu supérieure et ils profitent de l'effet de surprise. Alors soyez prudents. Quand on aura localisé les panthères, vous les attirerez avec les Sherman et l'infanterie, puis vous déploierez les chasseurs de chars M10 pour les contourner. Ok, c'était le plan. Allez, c'est parti. Alors toi tu vas passer en contrôle 1, toi tu vas passer en contrôle 2, toi tu vas passer en contrôle 3. Les M10 sont rapides et puissants, mais pas assez pour attaquer de front des panthères. Attaquez-les par derrière ou sur les côtés. Ok, moi ça me va. Allez, on va s'approcher comme ça tout bonnement, tout tranquillou. Ok, on a fait le centre d'appui. Ensuite, on va vite s'empresser. J'attends qu'il passe au niveau supérieur. Mon écran est un petit peu découpé, donc il faudra que j'essaie de voir ça à tête reposée. Allez. On va récupérer le territoire. Bon voilà, rien de grave. On va aller au corps à corps. Voilà. Ah là là, regardez ce qui sort derrière. Bien. Ah oui, alors c'est vrai qu'il faut que dans celui-là, faut que je me fasse une raison. Des tout petits clics et comme ça pour s'en sortir. Alors t'en es où, Tom? Ok, alors maintenant on va faire le garage. Parce que je vois qu'ils m'ont déjà fait les tanks. Pendant ce temps-là, on va activer le canon supérieur. Je ne sais même plus comment il s'appelle, le M1A, je sais plus quoi. Qui permet tout simplement de renforcer les M4. Ils tirent un peu mieux et puis ils ont la possibilité aussi de tirer un obus fumigène.
froid. C'est pas très désagréable comme idée. Ok, pendant ce temps-là, on va faire un... Je me tâte, non. On va plutôt faire un canon anti-char d'abord. S'il y a des gêneurs, on s'en occupera. Allez, on va pas oublier notre petit hôpital de campagne. Allez. Ça, on va en avoir besoin. Pendant ce temps-là, on a récupéré le territoire, c'est pas négligeable. Ok. Ah eux ils ont les sticky bombs, c'est très important. Voilà, l'hôpital de campagne a été fait. Il va nous falloir un canon anti-char. Voilà, il va arriver. Parce que je pars pas en guerre sans mon canon anti-char. Dans la foulée, on va construire un poste d'observation pour avoir les munitions qui rentrent plus vite. Comme ça, je pourrais jeter les sticky bombs à gogo. Allez, aidez un peu à construire tout ça. Ok, l'arme anti-char est arrivée. Putain, mon écran est trop large, fait chier. J'espère que ça va pas gâcher la vidéo. Je vois même pas mes troupes sur le côté. Et je peux pas le faire d'ici, donc ça c'est un peu embêtant. Ok. On va avancer. On va passer sur le côté. Et ça m'a fait sursauter cette merde. On va passer sur le côté là. Allez, on va activer le déminage. Oh putain! Oh là là, c'était chaud. Allez, vas-y, vas-y. C'est bon, un de moins. Putain, regardez-moi le panthère qu'ils m'ont détecté là. Sors vite de la maison, sors de la maison. Balance ta sticky bombe. Bien, un de moins. Super. Ouah, pas super. Ah, je vais mourir. On s'en charge. Renfort en marche. Moi, je tourne ma sticky bombe. Ah, il y en a de partout, putain. Vite, 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 vite. Laisse pas partir. Voilà. Toi, faut vraiment que je te libère là. Avec mon pauvre écran là. Allez, calme-toi. C'était pas facile. Ok. On va faire un autre canon anti-char. Ça me semble être une bonne idée. Là, on va s'installer dans la maison parce qu'ils viennent nous chercher, ces petits sagouins. Donc, on va laisser un canon anti-char dans la base. D'ailleurs, lui, il est un petit peu isolé quand même. C'est
C'est bon? Non, c'est pas bon, t'as rien réparé là. Ok, il faut vraiment que je me réhabitue. Hein. Ok, il est tout propre, ça c'est bien. On va vite aller défendre. Défendre mon char. Mon char, mon canon raté. Ils sont en train de s'en mêler les petits gars là. Ok, lui il est tout neuf. Allez, c'est bon. On y retourne. Si je vais te le mettre là, lui. Et on y retourne. Allez, je pense pas que... Je pense pas qu'il nous ait beaucoup... beaucoup embêté là. Canon de 57 mm à vos ordres. On va venir là, comme ça il sera réparé en même temps. Alors toi tu vas plutôt rester en retrait. C'est vous qui allez venir là. Activons le déminage. Ok, il n'y a rien de spécial. J'ai toujours un peu peur que... Je vais me faire tirer dans les fesses là. Ok, déploiement rapide, on va voir ça. Non, on va refaire un M10 plutôt. Histoire de taper fort quand il faut taper. Le reste attendra. Alors là, on va refaire un soldat du génie. Lui, je vais le rapatrier à la base d'ailleurs. Allez, c'est bon, pas besoin de fatiguer ta machine. Ok, merde, je peux pas parce que c'est pris. Allez, on y va. On va chercher. Pendant ce temps-là, on va amener un canon anti-char ici. Char quand il veut, on va immobiliser. Allez, c'est pas mal. Ok, bon, pas très satisfait de ce qui s'est passé. J'ai pas fait la caserne, donc je vais la faire. J'ai plus beaucoup de place. On va aller le faire là-bas. Alors, j'ai demandé à des hommes de venir. Ouais, bah du coup, c'était pour... Du coup, je fais tout de travers. Allez, donne-moi de l'oseille. On va en avoir besoin. Allez. Le plus embêtant, c'est ça. Bon, après, normalement, j'ai réparation sur le terrain. Donc, une fois que j'aurai ça, ça ira un petit peu mieux. Allez, pas réparer tout ça. Alors, j'ai pas trop envie de m'aventurer pour prendre cher. On va faire un autre canon anti-char de 180. Ouais, on va en faire un autre. Ou alors, ouais non, on va en faire un autre quand même. Ça me semble être une bonne idée. Avec les fusils, on va voir ce qui se passe par là-bas. Je crois que j'ai la possibilité d'activer voilà les fusils mitrailleurs barres, donc je vais m'en occuper dès que possible. Ok, il a un tireur embusqué. On balance la sticky bomb et on y va. Explorez la zone avant que le panthère nous contourne. Canon de 57 mm. Ok.
Blindé en attente. Wolverine en avance. Avancez, c'est un ordre. On s'arrête pas. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va placer les mines. Équipe de construction. Ok, regardez-moi. Un peu cruel, les gars. Plus de voitures attaquées. Quelqu'un a appelé. En avant. C'est vous, les gars. En avant. Allez. Canon anti-char va arriver à point nommé. Bien. Est-ce qu'il a eu le temps de la poser la mine? Non, il a pas eu le temps, il se l'est prise. Non. Canon de 57 mm à vos ordres. Baissez-vous. Tu dois être près d'un QG, allez, t'es près d'un QG. Nous avons regarni leur rang en un rien de temps. Cavalerie, parée au combat. Allez, on avance. Ok. Allez, il est temps de bouger. Nous avons regarni leur rang en un rien de temps. Alors, ils sont où ces fusillés là-bas? Hop, on va t'activer. Les fusiliers, en avant. Blindés en attente d'une cible. Prêt à l'action. Voilà, vous deux, vous allez passer en contrôle 1. On va te mettre des putains de lance-flammes. Deux équipes de lance-flammes. Allez, toi t'es tout beau, tu vas pouvoir y aller. Allez. Peut-être qu'une deuxième équipe. Ouais, une deuxième équipe s'impose. C'était quand même bien pratique. Ok. C'est bon, on a activé les fusils barres. On va continuer à EP les points. Il va falloir récupérer le territoire. Là, celui-là, il est un petit peu trop seul à mon goût. Si je me fais contourner, ça va pas le faire. Alors, ouais. Allez, on va aller voir ce qui se passe par là. Non, stop. Ici le chef d'équipage. Halte. Purée, c'est pas facile, hein. Fou, c'est des brouettes, les types. Remuez-vous, les gars. Un peu de nerf, les gars. Roulez. Les gars du génie, un peu de nerf, les gars. Compris. Ok, lui, il veut nous casser les pieds. Tu tiendras pas le surnom, mon gars. Unité ennemie détruite. Les gars du génie se font tirer dessus. Canon de 57 mm à char prêt. Fusilier, avec moi. On y va à cap aux intervalles. Ça peut rester en position. On va faire l'inverse. Cette position. Ce qui me donne à l'esprit, voilà, que je vais faire un half-track. Allez, si jamais il y en a un qui passe. Ok, j'ai un tank qui a rien écouté de ce que je lui avais demandé. Parfait, allez, des munitions, on va en avoir besoin. Alors on va le EP direct. Ok, comme ça c'est plus à faire. Canon de 57 mm à vos ordres. Mendoza, tu vas te remuer. Où est-ce qu'il est passé lui? Alfred prêt à rouler. Construction achevée. Roulez. On attend le signal pour attaquer. Allez, on accélère. Construction terminée. Bien reçu. Allez. Unité anti-char. En avant. Canon de 57 mm à vos ordres. Blindé prêt à donner l'assaut. Oh là là, les. Que doit-on faire, Wolverine?
Allez, il y en a un autre. Allez, on va balancer la sticky bomb. Allez, la sticky bomb va faire effet. Oh, t'imagines quand même? Et voilà un petit cadeau de l'oncle Sam! Pas évident! Pas évident, il m'a bien amoché! Ouais. Là, j'ai besoin de mon half-track, il est où? Allez, j'en ai réparé un! Pas évident! Là, il a bien failli me faire mal. Oh là, il s'est pris le mur. Dis donc, Gindoul. Ça serait bien que t'arrêtes de te foutre de ma gueule. Ok, on va faire un centre de soins sur le front. Oh oh. Allez. On file. Un de moins. Allez, allez. Nous sommes prêts, les colons. Bâtiment achevé. La suite va nous aider à faire la lave et votre lave. Ici, le chef est en place. Tout le monde est. Je peux pas faire un hôpital. Section anti-char attaqué. T'es pas censé quand même. Ennemi dans le combat. On attend signal pour attaquer. Ah! Ah, vous êtes gentil. T'as pas besoin de t'avancer comme ça là. Bien. Écoute, on va en profiter alors. On va en profiter pour aller explorer ce coin. Fusil prêt. Comme si c'était fait. Allez. On va pas se priver de. On va pas se priver du territoire. Attends, imagine, il faut plus que ça. Bon. Allez, je veux pas tomber dans. Allez. Bien. Putain, lui il a pris cher quand même, mine de rien. Allez, hein, c'est pas mal là. On est en train de récupérer tranquillement le territoire. Ici, je vais aller récupérer mon canon anti-char parce que ça me pose un problème. Je vais en sortir un autre parce que j'ai pas aimé la manière dont ça s'est passé. Oh là 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 là, le massacre que ça va être si jamais je me fais attaquer là. Regardez-les comme ils sont. Oh, vous me faites de la peine, les gars. Objectif sécurisé. Pouh, c'est pas des flèches, hein.
Allez, on va te le... On va te l'ouvrir. Les fusiliers en avant. Avancez. Allez. On attend que les morts. On avance, maintenez les intervalles. Le panthère, planquez-vous. Ok, le panthère. Allez. Purée. Ça s'était pas très bien passé, hein. Oh super, réparation sur le terrain, tu m'étonnes, ça m'intéresse. Allez, un de chaque, un qui répare de chaque côté. Super les gars. On prend la position. Quelles sont mes coordonnées? Les gars, ça y est, prêt à retourner au combat. C'est bon, vous m'avez tout soigné là? Non, vous avez... Vous avez besoin de la cavalerie? Vous avez laissé le copain. On est prêt à intervenir. Attendons cette lacune de nos positions de 57 mm sur notre territoire. Il va y avoir de la bagarre. Prêt à vite, allez, on va vite aller courir partout sur cette map. Ok, y a... Ah, quand même. C'est pas dit là. Ouh là 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 là. Non. Oh là 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 là. Heureusement que je suis arrivé. Pas lui découper les fesses. Découpe lui le menton. Allez, fla. Ok, en plus il vient de m'approvisionner en armes. Allez, arrête-toi de tirer. C'était hardcore. Ok, c'était pas facile, hein. Prêt à l'action. Allez. Soldats du génie en position. Allez, les gars. En plus, ça rame un peu à cause de ça. Ok, qu'est-ce qui m'a cassé? Il m'a cassé ouais, les principales, mais bon, ça va quand même. Par contre, c'est la preuve qu'il faut que je sois très très vigilant. Parce qu'ils peuvent arriver de partout. Non, finissez ça. Et après, je vous rapatrie.
On vient d'achever la construction. Toi, t'es tout seul. Comment mourir? Comment mourir facilement? Alors, pourquoi est-ce qu'il veut pas? D'accord. Voilà, bien joué. Renfort en marche. Blindé lourd, plein à bord, accélère. Ouvrez l'œil sur le secteur. Allez, on va commencer à s'endormir. Ok. En cours de déploiement. Indiquez-nous notre cible. On est prêt, on est contre. C'est parti, on va aller contourner tout ce petit monde. On avance. Je peux plus en sortir. Bon bah on va travailler sur le. Prêt à servir. Soldat du génie. Cavalerie toujours prête, message reçu. C'est parti. Bien. Allez, j'en ai niqué que 3 sur 7, il faut que je les détruise tous. Donc on avance nos pions hein, sur les échiquiers. Blindé en attente. Le 14 rayons sont prêts. Arrosez le poids de l'échelle de chauffeur. Il est temps de se faire quelques briques. Nous devons être en avant. On va y aller, les gars. Ok, je suis sûr que j'ai même pas récupéré. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Non, il n'y a pas besoin de tout ça. Juste une équipe. Celle-là est vétéran, donc c'est elle qui va récupérer le pactole. C'est la hiérarchie, les gars, c'est comme ça. Bon, en tout cas, ça me semble pas mal. Ouais. Ouh, regardez-moi ce vilain panthère que j'ai trouvé. Allez, le sticky bomb. Tu vas mourir, ouais. Yes. Ok, parfait. On prend la position. Les gars. Du nerf, les gars. Ok, les gars, c'est l'heure. Allez, c'est pas mal, c'est pas mal. Stressant parce que on peut pas trop se tromper là, mais allez, on avance nos troupes. Allez, on va avancer. Quels sont vos ordres? Roulez! Remets-vous, les gars! Canon de 57 mm à vos ordres. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Ça m'a l'air bien dégagé.
Ça ne veut pas dire que ça l'est pour autant. Pas mal, ça veut dire que je peux encore... Qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse... J'ai eu de la visite. Non. On va faire un crocodile. Non, je sais pas. Un Wolverine peut-être, de plus. Allez, un Wolverine de plus. Allez, monsieur Wolverine. Tous les X-Men te regardent. C'est même plus la peine que je up les points. Je vais plutôt up que ceux de munitions. Oh, j'ai oublié de me recharger. C'est pour ça. C'est pour ça, je me demandais. Ah ouais, mais maintenant il va plus vouloir. Si. Si, mais c'est juste ça. Ok. D'accord. Donc on va attendre, on va avancer nos troupes. On a quand même bien progressé là dans le territoire. Alors lui je vais vraiment le laisser dans les arrières-lignes. Toi par contre tu vas venir là, s'il faut que je refasse un contrôle de nos troupes. Voilà, contrôle 3. Canon de 57 mm, les gars, prêt. Faut descendre quelques marches. Ok, alors il est où là le problème? Prêt à l'action, chef. Bien reçu. Emmène-nous là-bas. On attend que les boches. Ok, il n'y a pas l'air d'y en avoir. Continuez à avancer, ça peut. Canon de 57 mm, vous en faites avancer ce pays. Un check. Ok, qu'est-ce qu'il m'a mis là? D'accord. J'ai pas envie de mourir comme ça. Ok, est-ce que je peux débloquer quelque chose? Non. Les véhicules peuvent désormais... Ok. J'aime pas bien ça. On va avancer juste avec la cavalerie. Les Charman vont passer contrôle 3. Et les Jackson contrôle 4. Ok. Impérativement que je me répare et que j'aille. Je vais essayer de contourner ça. Bon, ça c'est parfait. J'ai un peu pété la tuyauterie, mais tout va bien. Il faut que j'arrive à passer ce cap. Ok, bah je peux pas me réparer, donc c'est peut-être ceci explique peut-être pourquoi il y avait. Il n'y avait pas de réparation possible. C'est une promenade de santé, les gars. Moi, je le sens bien me casser les pieds par là. Là. Il va forcément contre-attaquer une fois que j'aurai lancé mon assaut. On attend le signal pour attaquer. Allez les gars, avancez maintenant s'il vous plaît. Ah, c'est trop bête, mais si je pars et qu'il n'y a plus de territoire là, ça va être compliqué. Moi non plus j'aime pas rester statique, donc il va falloir prendre des décisions. Alors regardons attentivement ce territoire. Passer par là ça me paraît tendu quand même hein. En plus j'entends des chars. On va essayer de faire un assaut un petit peu couillu. Ennemis
Ouais, alors là, je veux dire, au bout d'un moment, vu tout ce que j'ai. Allez, on y va. Je vais lancer une petite répa. Faut impérativement que je passe. Oh merde. Oui. Allez mon gars. Balance les sticky bombes. Allez, t'as balancé ta sticky bombe. Oh, ça tape. Allez. On est passé. C'était chaud. C'était chaud, fallait pas se rater là. Oh non. Allez, venez par là. Renfort en marche. Nous avons regarni leur rang en un rien de temps. Ouh, fallait pas se rater. C'était un peu stressant. Quelqu'un a arrêté la cavalerie. Fusil, prêt. Pas les réparer. Prêt à l'action, chef. Allez, on se répare. Vous voyez, important d'avoir les forces combinées là. Les lignes de ravitaillement avancées sont coupées. Putain, il vient me faire mal avec ça. Putain, il m'a eu. Oh, ça m'a débloqué un sous-objectif. Ici le Wolverine. Besoin d'une arme anti-char. Faites avancer ce véhicule. Oh. La terre a disparu, allez. Avance toi. Oh. Ah, ça valait le coup de vous laisser là les gars. Ça valait le coup. Ok, là ça chauffe pour mon matricule. C'est attaqué. Écoutez bien les gars.
Peut-être près d'un QG, mais non, allez. Réfléchis. Bon, globalement, il m'en reste un à tuer. Je vais quand même pas perdre si près du but, bordel. Putain. Attends, il va me casser le QG, non, je suis fou. Je vais te faire une armée, moi, sur le côté, là. Allez, on y va, on y va. On charge avec tout ce qu'on a. Allez, c'est risqué, je rapatrie tout à la base et on verra bien. Aïe, faut pas me faire mal. Je vais te crever la gueule, panthère de mes deux. Feu, bordel. Oui. Oui. Putain, en un contournement, ils ont failli me blesser, quoi. Ils m'ont blessé. Ah, j'espère que le fait d'avoir perdu un tank, ça m'aura pas... Ça m'aura pas niqué la partie, putain. Je me ferais chier le... La zone n'est pas sécurisée. Établissez vite un périmètre défensif. Bien, Spencer. Conti, je voulais justement vous parler. Ziel, amerikanische Offizier, 623 Grad. Oh. Sie, wenn Sie wollen. Oh oh. Mode Matrix. T'es gentil, le Toubib, ça va 5 minutes, mais moi ce qui me préoccupe le plus, c'est le tank. Il nous faut un mécano. Ouais, bon, nickel. Minimiser les pertes de blindés, ça y est, c'est fait. Dans la boîte. Oh, j'en ai perdu un. J'aurais pu en perdre moins que ça, mais bon, ils sont super lourds. Mais quand je vous dis lourds, ils sont chiants à gérer. Oh, je vais t'installer une marche arrière. J'ai vu que dans le documentaire Apocalypse là, que je suis, là, la saison sur la Seconde Guerre mondiale,
J'ai vu que pour passer les vitesses, ils y allaient au marteau dans les Russes sur les T-34. Alors là, je vais faire pareil. Je vais t'installer toute la boîte à outils et tu crois-moi, tu vas faire une marche arrière parce que ils sont pas doués. Oh, ils sont pas doués, les types. Bon, en tout cas, voilà, bien joué. C'était pas évident parce que, voilà, c'est typiquement le genre de partie qui me plaisent pas trop parce que t'es obligé d'attendre, d'avancer un tout petit peu. Surtout que là, à la toute fin, ils m'ont mis l'objectif de pas perdre mes tanks. Vu tout ce qu'ils m'ont envoyé à la base, j'ai compris pourquoi ils m'avaient dit ça. J'aurais pu minimiser les pertes à la base. Parce que j'étais en limite de population au début, donc j'étais resté dans l'idée que je pouvais rien sortir. Or, vu qu'ils m'ont cassé très rapidement, ils m'ont tué mes soldats qui étaient dans le bâtiment principal, ils m'ont cassé mes canons anti-char, donc du coup, je pouvais en ressortir plein. Et c'est cette petite seconde où j'ai été complètement inefficace qui ont failli me mettre dans l'embarras. Vu que je voulais garder la méta... je voulais débloquer la médaille, pardon, qu'il proposait là, celle du service distingué. Je me suis pas précipité au secours de ma base, parce que je préférais quand même, quitte à perdre un ou deux bâtiments, finir la mission plus ou moins avec mes troupes, parce que je me sentais pas de la refaire celle-là. Enfin, je crois qu'elle est longue, hein, au contraire, elle était pas très compliquée, mais c'est pénible. Voilà, bon, en tout cas les kikis, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je me suis remis en route dans cette campagne de COH1 à votre demande, les kikis bonnets. Donc voilà, vous voilà satisfait, j'espère. Bonne fin de journée, les kikis! Eh ben, crevons ou pas crevons? Pas crevons! Crevons un autre jour! Ta-na-na! Ciao, ciao, les kikis!